Cédric, Bariton le fait avec le style sur 1500 mètres. Est-ce qu'il vous donne le sentiment de pouvoir remporter le Barbet? Non, bon, on peut jamais vraiment être confiant à ce point-là, mais c'est vrai qu'il a rempli son contrat, il a refait un peu le même style de course qu'il avait fait dans la Duchesse. On était déjà d'avis avec son entourage que ça ne serait pas un problème pour monter jusqu'aux 1600 mètres. Donc il a gagné un 1400 mètres dans la Duchesse, là il vient de gagner un très beau 1500 mètres en faisant une très belle accélération. Donc je pense que tout est réuni pour faire une belle course dans le Barbet. C'est des courses très difficiles à gagner. J'ai jamais eu la chance de la gagner justement. Je suis tout le temps souvent deuxième avec Liquid Motion, avec ces chevaux-là. J'espère pouvoir le gagner bientôt et je crois que Bariton a réuni tout ce qu'il faut pour pouvoir le gagner. Maintenant on sait que les lignes sont très importantes et qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais le cheval devrait faire une belle course dans le Barbet s'il garde sa forme. Et 56 secondes et 7 centièmes pour Zodiac Jack qui gagne arrêté sur 990 mètres, point 3 ans. Comment évaluez-vous ce cheval? Comme tout le monde le sait, on le tient en haute estime à l'écurie depuis le début, depuis sa première course. On l'avait déjà fait courir une course avant le championnat des 3 ans parce qu'il fallait qu'il monte un peu au rating pour que je puisse le monter. Malheureusement, j'avais pas pu faire le poids parce qu'il avait un trop petit poids. Mais le jockey Rama a fait du très bon travail et a gagné. Il a recouru, il a regagné cette semaine. Je crois que c'est un cheval qui est très facile à monter, qui est très intelligent, qui est jeune et qui va, je pense, pouvoir monter un petit peu sur les distances. C'est vrai que c'est un vrai sprinter. Et la deuxième manche du championnat des 3 ans va être un vrai test pour voir s'il peut tenir la distance. Et Novan Rebel, honorable, troisième place derrière le favori Glorious Goodwood sur 1365 mètres. Si vous avez accordé un chiffre concernant sa forme de samedi de 1 à 10, quel est le chiffre que vous l'aurez attribué? Bon, je pense que question fitness, il était certainement vers le 8 sur 10, je dirais. Maintenant, ça a été une course très tactique. J'avais 61,5. Malheureusement, les deux chevaux de devant qui allaient très très vite se sont arrêtés net à la rue. Donc il a fallu que moi, j'avais anticipé ce problème-là, donc je m'étais décalé. Malheureusement, j'étais celui qui a dû ramener tous les autres, et Glorious Goodwood qui était derrière moi, qui m'a suivi. Donc j'ai dû faire cet effort-là, et eux étaient derrière, ils m'ont suivi. Donc c'est une honorable troisième place. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus, parce qu'on pensait qu'ils pouvaient taquiner le favori. Il fait quand même une belle course, c'est un cheval qui va progresser, qui était peut-être encore, comme je dis, que à 8 sur 10 sur son fitness. Je crois qu'il y a encore on peut encore améliorer ça et j'espère qu'il va remporter sa course très bientôt. Et Oumph, la dernière fois, quatrième à 2 longueurs 15, il y a un certain Lee Store qui gagne facilement. Et est-ce que vous pensez que la dernière fois, il n'était pas à son top? Non, la dernière fois, le cheval était très bien, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais les circonstances de course ont été complètement défavorables pour lui. On s'est retrouvé derrière le cheval Argo Solo dont le jockey a failli tomber. On s'est retrouvé très loin. L'Istar avait pu se sortir de ce problème-là et prendre le first run. Moi, j'ai dû à la rue aller en troisième épaisseur pour justement me dépatouiller de ça. Et ça veut dire que j'ai fait un effort prématuré. Il a fallu que je remonte, je ne sais pas, une dizaine de longueurs. C'est beaucoup trop dans des courses où il y a des bons chevaux. Malgré tout, il a fait un très très bon, très très belle ligne droite. Il a échoué quatrième, mais pas si loin que ça des chevaux de tête. Donc je pense que c'est une course qui a oublié parce que les circonstances n'y étaient pas du tout. Est-ce qu'il vous donne le feeling qu'il peut aussi monter jusqu'à 1650 mètres? Vous savez, il a couru, si vous vous rappelez, il a couru la Coupe d'Or sur 1600 mètres l'année dernière où il a fait une très belle troisième place. Donc il n'y a aucun doute qu'il peut courir sur 1600, 1650 mètres. 1800 sera une autre chose pour la dernière manche. Mais sur 1600 mètres, 1650 mètres, il n'y aura pas de problème. Et Saracen King, un cheval qui ne passe pas à une APSU ces derniers temps à l'entraînement. Et comment qualifiez-vous sa forme actuellement? Il a une très bonne forme depuis le début de l'année, mais malheureusement, comme on dit, il knock on the door. Il est tout le temps à l'arrivée, il est 4e, 3e, 5e. Mais il manque toujours ce petit truc pour la victoire. J'espère qu'il va passer le poteau en vainqueur bientôt. Et Palladium, deux pièces performance anonymes. Qu'est-ce qui cloche avec ce cheval selon vous? C'est un cheval qui vient d'arriver, c'est un nouveau cheval. La dernière fois, il a couru sur 1000 mètres, on l'a essayé sur 1000 mètres pour voir ce que ça allait donner. Malheureusement, ce n'est pas un cheval de 1000 mètres, donc c'est une course à oublier. Et il faut le revoir, c'est un cheval qui, vous savez, il y a des chevaux qui mettent un peu plus de temps que d'autres à s'acclimater.
lui en fait partie. C'est un petit cheval qui va nous être utile vers la fin de la saison, je pense. Et dernière question, Cédric, un cheval en particulier qui vous a laissé une bonne impression et que vous pensez sur un potential winner la prochaine fois? Non, bah moi, c'est un secret pour personne, mais je pense que je tiens en grande estime Zodiac Jack et j'ai pas eu la chance de pouvoir le monter dans la première manche des 3 ans. Mais je le connais très bien, j'ai gagné 2 courses avec et je pense que dans la deuxième manche, il va être à un os dur encore, malgré qu'il monte de distance. Mais j'espère, on a gagné le championnat des 3 ans l'an dernier avec Oomph, j'espère qu'on gagne le championnat des 3 ans cette année avec Zodiac.